On a Anonymal aujourd'hui avec nous. Anonymal, Anonymal, Anonymal. Déjà beaucoup de gens qui disent sosie de Neoxy. Moi je trouve pas, ça marche. Il est d'accord, ça va. Ça me l'a fait avec The Rock au début. C'est évident. Pierre sosie de Michelin. Est-ce qu'on ferait pas le jeu du jour? Ah ouais, mais s'il te plaît, avec plaisir. On joue à Color Addict XXL. XL. C'est terrible de pas savoir lire. On joue à Color Addict XL. C'est le moment du game. Édité par Ducal. Il est déjà sorti. Il est sorti en septembre, font tout en France. Ça fait 70 ans qu'ils sont spécialisés à la base dans les jeux très classiques, genre Belote, Tarot, etc. Près de Nancy. C'est pas eux qui font le jeu quand t'es avec ton frère et du coup c'est 3 patates chacun, 2 patates chacun, 3 patates chacun, 2 patates chacun. Ouais. Attends, les parents arrivent, cache-toi, je te remets des patates là dans le noir. Non, parce qu'il y a pas de carte là. Ils font pas ce jeu. Non, ils... D'accord. Classique de famille quoi. Bah, du coup, excuse-moi, patate au frangin. Il se remet une petite patate au frangin. Je vois bien dans les Maxi Toys la boîte patate au frangin. Patate au frangin. Donc Ducal, ça fait partie du groupe Carte Mundi France, une info qu'on vous donne. Mais c'est à partir de 6 ans, ça se joue de 2 à 6 joueurs. Et plus on est nombreux, plus c'est compliqué. 4 c'est très bien je pense. En gros, on aura chacun le même tas de cartes et on va devoir se débarrasser de notre tas le plus rapidement possible. Chaque carte posée sur la table doit être recouverte. Elle est recouverte par potentiellement 5 cartes différentes. C'est écrit mauve, mais en couleur rouge. C'est-à-dire qu'on a la possibilité dans notre jeu de jouer soit une carte où c'est écrit mauve, soit une carte où c'est écrit rouge, soit une carte où le mot est écrit en rouge, soit une carte où le mot est écrit en mauve. Il y a une cinquième carte et quand tu la joues, tu désignes quelqu'un, tu lui dis de mettre les lunettes. Ces lunettes enlèvent les couleurs. Donc soit il arrive à peu près à voir que c'est la bonne couleur et il joue quand il peut, soit il doit se référencer juste à ce qui est écrit puisque là pour le coup il arrive à lire. Si quelqu'un se trompe, patate au frangin j'imagine. Et bah là il prend 3 cartes en plus dans son tas, donc il a un malus, mais attention, c'est 3 cartes dans la main et on a le droit de piocher quand on est coincé. Fais-nous là la croupier. Voilà. Putain, c'est n'importe quoi. J'ai une couleur qui est écrite pas sur la même couleur que la lady. Ouais. C'est du jeu, ouais. C'est n'importe quoi. Et c'est quoi, je m'en prends 4. Cochon. Vous mettez votre tas devant et vous prenez 3 cartes. 1, 2, 3. Je la regarde pas. Les 3, tu peux piocher quand t'as pas d'option de jeu. Soit on joue pas en rapidité, on joue un peu chacun son tour. Et quand tu peux jouer, tu joues. Quand t'es bloqué, tu joues pas. On peut peut-être commencer comme ça, peut-être. Ok, on fait ça. Même on fait quelques tours et après on accélère. Tu veux commencer? Peu importe. Allez hop. En fait, on tourne comme ça, on va dire, au début pour commencer. Moi, je peux faire ça. Je peux pas jouer, je pioche. C'est donc la carte à lunettes. Mais là, je peux repas jouer, ouais. Je passe mon tour. Là, c'est à moi, par exemple. Donc là, je suis à blanc. Je remets une carte as. Blanc. Je peux jouer. Je ne peux pas jouer. Moi, je peux toujours jouer. Hein. Et là, je peux faire ça. Allez, fort. Tu peux la poser, ta carte. Vas-y, pose-la. Pose-la. Allez, la bonus, la bonus. Eh, pose tes couilles, là, putain, là. Tu mets ton foutre sur la table, là-haut. On est la pose. Tu choisis qui va porter ses lunettes. Je les donne à toi. Comme par hasard. Comme de par pur hasard. Et là, je rentre dans la matrice. Waouh. Tu vois quelle couleur, mon pull? Trop large. La couleur, la couleur. La couleur. La couleur. Blague à part, là, je dirais un violet. Tu vois les pecs? Même si on fait un IRM, Pierre, y aura, on verra rien. Et donc là, j'ai choisi la couleur. Gris. On dirait pas un Didier un peu ringard de province? Comme ça, oui. Et c'est l'anniversaire de Jennifer ce soir. J'ai pas de gris, là. Ou alors, je le sais pas. Tu peux toujours pas? Ben non. Ok. J'ai le droit de poser un gris rouge par exemple. J'ai posé un gris. Un gris d'une certaine couleur. En vrai, c'est impossible à savoir. Donc là, tu trompes, du coup, tu prends 3 cartes. S'il vous plaît, vous approchez pas du DJ, s'il vous plaît. Tu comprends pas, t'es le DJ ou t'es le garde du corps du DJ là? Je vais handicaper Pierre. Oh shit, man! Vas-y, je vais les prendre les lunettes. Wow, ouais! What is love? Je veux dire violet. Non, je peux pas jouer, j'ai déjà 3 cartes donc c'est pas peine que je pioche. Violet, je l'ai pas. C'est bien joué, vraiment. J'imagine que c'est encore violet. J'ai ça. Ah, il peut jouer, ça c'est bon ça. Excuse-moi, c'est l'anniversaire de ma cousine. Tu peux lui mettre un son, mais lui a un World's Apart en dédicace. Je peux pas jouer. Ah, t'es naze. C'est pas sympa. Hein. Et regarde. Il est meilleur avec les lunettes, lui. Ouais, j'en ai marre. Je les prends. Ah, il est sympa. Ah, bien. Et on change de DJ ce soir. Il arrive, il est là, c'est Anonymal. Ah oui, ah, bah alors là, je vais te mettre un. Oula, ouais. Qu'est-ce que tu vas me mettre? Il y avait pas un genre de marron? Marron, ça. What is love? Tiens, bon courage avec celle-là. C'est marqué rose. Oui, bon, ça à la limite. Est-ce que tu peux le mettre Wesh Dance, s'il te plaît. Alors comme ça, tu m'as trompé. C'est la même couleur? Oh oui. Cochon. J'ai pas de brun. À moi alors. Ah, la couleur intéressante. Ça a l'air d'être la même couleur. Oh, mais il est bon lui. Allez. Et on change de DJ. Pierre Cross. Benjos, tu vas mettre du jaune. Jaune, ça doit être ça. T'es chaud toi? T'as déjà eu les lunettes, Fred? Ouais, j'ai déjà vu des lunettes. Ah, la lunette pour moi. Je me rappelle même plus des couleurs que j'avais. Jaune. Déjà, c'est ça. Je suis obligé. Et Ben va reprendre. Aïe aïe aïe. Ben, qu'est-ce que tu nous mets là? Je pars en électro dubstep. La dubstep, ça existe encore? Ouais, bien sûr. Après, c'est plus écouté, mais ça a été là quoi. J'ai mis une carte où il y a écrit orange dessus. Si t'avais une carrière musicale, ce serait dans quel style de musique? Moi, je me suis posé la question et je pense qu'il faut pas que tu te la poses. C'est là l'erreur en fait. Soit je ferais un album de chansons à fête comme Patrick Sébastien, soit des reprises de Brassens. Et pourquoi pas un mix des deux? Brassens en fête. C'est l'Auvergnat qui m'a cueilli pour un morceau de pain. Toi, tu veux toucher le cœur des Français. Tu veux rentrer dans les soirées étudiantes et dans les bals musettes un peu. Donc on parle que de sexe à mon Pierre là. Dans les deux cas. En fait toi si tu devais être un musicien, tu ferais des reprises quoi. Sauf si j'ai réécrit les paroles mieux que lui.
Bon, allez, on va continuer. Non, on va continuer. Hein. Moi, je pense que je ferai de la country. Moi, je vais les Santiago. Le clip, je suis sur la terrasse d'une maison, les pieds sur la barrière en blanc, chapeau comme ça, la paille ici, et ça commence avec I always ready on my shoes. On reprend, c'est à qui? C'est à toi, Pierre, non, je crois. Ok. Je ne peux pas jouer. Oh là là. Et là, Ben, là, tu choisis la carte suivante. Bah, je laisse mettre ses lunettes et je propose immédiatement un rouge. Je crois que j'avais ça. Non? T'es non. Non? Pas non, trois non. Cartes. Est-ce qu'on fera des chansons pour enfants? Des comptines? Non, des Kinder Country. Ah. Bonjour. Tu sais, ça me fait penser à quoi, ce genre de jeu? Au-delà du fait que c'est sympa, ça fait très soirée hiver, mais tu vois, il fait un peu moche dehors. Et t'es là, esprit de Noël un peu. T'as envie de jouer à ces jeux. Et de chanter un peu de country. Bah, dans le fond, il y a forcément un disque de John Raisin Bogglestands qui reprend son fameux I love you till the end. Est-ce que quand quelqu'un a triché, par exemple, une fois que quelqu'un d'autre a posé la carte, c'est passé, on en parle ouais, plus? Ouais, c'est ADO. C'est... Ouais. C'est l'esprit maison grise. Tu crois que ces lunettes, là, avec quelle couleur la maison? Oh, c'est bon ça. Mais je t'en prie. Mais je t'en prie, attends. C'est maison rouge. Je tente ça. Non, je tente pas ça. Allez, 3 cartes pour Pierrot. Non, j'ai pas tenté. 3 cartes pour Pierrot. Eh, Pierre, tranquille. Je vais pas poser. Si t'as envie de tricher, tu triches. Après, c'est comme tu veux. Je vais pas poser. Ouais. Ça a touché, hein, en fait. Ça a touché. Alors, tu sais quoi, moi, j'ai envie que tu rejoues que si tu me trouves tout de suite là un titre de chanson country. Et on le valide ou pas? Pour fictif, pas un truc qui existe. Exactement, fictif. Là, t'inventes pour notre prochain album le titre d'une chanson. Bien. Allez, allez. Le blé au vent. Moi, je m'attendais à un truc un peu ricain, tu vois. Moi, je veux de la chanson française country. Tu sais, ça marche parce qu'en anglais, ça ferait ouais. Cornflakes in the wind. Corn in the wind. Ouais, corn in the wind, c'est pas mal. When I was laying down in my soul with corn in the wind. On l'a celle-là. Quand j'étais allongé sur le sol avec le blé au... Oh, c'est une métaphore de cul. Là. Avec le blé au vent. Ah, je pensais que c'était de base, c'est exprès. Hein. Ah, mais non. Tu ne pas beaucoup de cartes, toi, hein, j'ai l'impression. Hein. Bah, je pense qu'on est vraiment même. Ça, je pense que c'est rose. Du coup, je prends le pari. C'est juste. Ça passe. C'est ouais, c'est. Ça passe. Je peux pas jouer. Allez, Clément. Au lac Clément. C'est bon, ça. Avec plaisir, attends. Donc là, je propose du gris. Eh ben, tu en auras. Relogging to my soul. Recalling the wind. Ça parle souvent de la soul, ouais. And love the soul and your skin. Your skin is like the deep water. As I turn in the line. Est-ce qu'il y a une fin gospel un peu? Oui. C'est la bonne couleur, hein. Oui, franchement, ah, vas-y. Il met du mauve, le cochon. Il se prend pour qui, là? Et bah, tu sais quoi, vous voulez faire les malins? On va changer de lunettes. Et on va les mettre à Fredo. Il a pas beaucoup mis les lunettes. C'est vrai que moi, ça fait longtemps que je les ai pas eues. Donc, right. Je choisis la couleur rose. Et là, ça va être difficile pour Fredo, le rose. Et il va nous reprendre 3 cartes. Non, mais dans l'immédiat. Ouais, tu sais que j'étais hyper sûr de moi. Non, c'est bon. C'est marqué gris et j'ai mis une carte grise. Ah oui, puisque j'avais pas vu. Pardon. Bon, on va faire hein, une chanson un peu quand même de soirée country. Bah oui, il faut que ça bouge à un moment donné. Comme la... When I dance my running on the rain and soul. A running on beating on the rain and soul. I say hip, brown pants, and our soul. Et là tournage dans un saloon. Non, mais là, en fait, il veut réaliser nos rêves, en fait, cet homme-là. Je propose du vert. Tu proposes du vert C'est vert, ça. Oui, Ben, c'est vert. T'inquiète, Ben, c'est vert. Oh, shit, man. Re sur Fred. Oh. Allez. Première fois qu'on change de sens. Hein. Oh, il a fait la technique de je regarde un peu pour me rappeler. Oh, pas toi, Fred. Je regarde ma truc, c'est pas la triche. Et bah, pour le coup, tu veux faire le malin. Et un titre de chanson country immédiatement qui sera dans l'album. Pourquoi ils disent Ben Cowboy et Pierre juste le co? Ah, bah, c'est. Parce que, ouais, t'inquiète. Allez, Fred, une chanson. Down the Ranch. I met a girl down the ranch. C'est à qui? Bah, c'est toi, tu dois choisir normalement la couleur. Je vais choisir brun. Attends, belle option de victoire pour Fred, hein, s'il fait pas d'erreur. Attends, toi aussi, t'es bien. Ah, je suis vraiment au stade équivalent de. Là, je peux pas jouer. Oh, il peut encore jouer. C'est un peu un coup de chance, non, à la fin. Parce qu'il faut que tu places ta dernière carte. Tu peux jouer ou pas? Je peux pas jouer, là. Je peux. Moi aussi. Hop. Ah, t'as vraiment le handicap lunette en plus, quoi. Je sais pas si c'est la bonne couleur, je la peins de toute façon. C'est dangereux, hein. Oh, wow, il l'a fait. Colors addicto. Oh, il est en color addicto. Je peux pas jouer. Je peux jouer, pardon. Oh, putain. Oh, man. Bravo, Clem. Est-ce que là, on referait pas une partie en mode hyper speed? C'est-à-dire que là, c'est plus chacun son tour, c'est dès qu'on peut poser, on pose. Allez, j'attends le titre de l'album, s'il vous plaît, les Lady Tititos. Il y a quoi comme titre? Le Ranch Gris. The Grey Ranch. Mais non, on le fait en français, en vrai. Tu veux pas le marché américain? On peut péter le game, en fait. Sondage, francophone ou anglophone? Vous êtes prêts? On est ready to go. J'ai rien entendu. Pardon. Allez, hop.
Mais c'est horrible, fais pas ça. Ouais, c'est horrible. Attends, mais je suis perdu là. On peut piocher quand même. Attends, mais tu joues avec tout le paquet, tu fais quoi là? Ah mais non. Mais avec tout le paquet. J'étais parti moi. Je peux pas, je me sens paralysé là, c'est horrible. Hop là, pardon. Ah oui. Delete man. Tu peux le faire. Delete man. Attends, non. Tu peux le faire. Et qu'est-ce qu'on fait avec Delete man? Hop là, on se calme les gars. On se calme. C'est pour qui? Et notre ami Clem, il va prendre une petite lunette et on va se calmer tous comme il faut. Je me sens pas bien là. Et prépare 5 cartes. Et Ben il reprend. Oh le cochon! Ça c'est beau! Et non, parce que Pierre il reprend! Non, parce que Ben il reprend! Oh, il est costaud! Il est costaud! Donc du coup, c'est à Pierre de dire. Bah, vert. Allez! C'est parti! C'est la même couleur! J'ai tellement cru! Donc Ben, tu prends 5 cartes. Anglophone 71%. Allez, on le fait en anglais! Oh, j'en sais rien, moi, je suis là, c'est beau. Là, je suis du père, là. Je sais même pas, j'ai quoi les couleurs. Oh là. Bon, allez, je libère Ben. Fred va prendre un peu. C'est super gentil. Et tu sais quoi? J'ai envie d'écrire une chanson pour la peine qui s'appellerait The Blind Between the Corals. Allez, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. L'aveugle entre les couleurs. Corals Blind. Les mets pas. Tiens, c'est. Ah, c'est moi encore. Tiens, donne la pierre. Et je demande du rouge. Hop là, je calme tout le monde. Tu peux rien faire? Ça, c'est ça. Allez, 5 pour Pierre. Non, c'est 3. T'as dit 5. C'est 5 quand t'essayes de tricher. Moi, j'ai pris un prix 5 cartes. Ah, t'as pris 5 tout à l'heure? Carte, hein. Du coup, je les rends. Tiens, merci. Garde-les. Ouais. Quelle couleur? Jaune. Putain. Bah, j'ai gagné. Oh, il a gagné avec lunettes. Oh, il est chaud. Pas dit color addicto quand il te restait une carte. Color addicto, évidemment. Fais une dernière partie là, speed comme ça, c'était bien. Je propose de commencer. Allez, je mets le tas et j'en prends 3, c'est ça. Vas-y. Non, c'est quoi direct? Lunettes direct, on arrête l'hémorragie. Quelle couleur, Pierre? Je tente, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Hop. Clément avec plaisir. Non. Clément avec plaisir. Alors si je peux me permettre, ouais. Clément avec plaisir. Ouais, c'est pas cool. Non. Clément avec plaisir. Oh le cochon. Je me sens hyper mal. Clément. Merci. Quelle couleur, Pierre? Encore. Jaune. Attends. Oh, il est en color addicto. Oh oui. Très rapide, Pierre. Mais là, il a enchaîné. Bien joué. Clément, je l'ai pas senti cette partie. Qu'est-ce qui s'est passé? T'avais pas envie, j'ai l'impression. T'avais pas le truc. Ce qui est dommage, c'est que là, on s'amuse et là, t'es réfractaire en fait. Peut-être un manque de pas assez rapide, pas assez dans les cas. Style de lunettes. Enfin, là, on est un peu en live. C'est pas la peine de se la raconter là. Non, pardon. J'ai l'impression surtout que t'as fait une sorte de complot contre nous et je trouve ça pas bon esprit. Un peu anti-jeu, Clément. Un peu perso. Merci Anonymal d'être venu. Qu'est-ce que tu sors prochainement sur ta chaîne? Mardi, je sors une vidéo dans laquelle je remplace le setup d'un abonné sans qu'il soit au courant. C'est un genre de pimp my setup. Exactement. Eh bien, merci encore une fois à Color Addicto XL. Donc, disponible Amazon, leur site à eux. La Fnac aussi. Et disponible aussi en boutique, en magasin, en physique. Ouais, grande surface, boutique spécialisée, boutique de jeux, voilà. Jouer club, la grande récré. N'hésitez pas à brûler les lunettes si vous voulez jouer, en fait. Hein. Ta chaîne YouTube sera dans la description du best-of de ce live. Merci à tous d'avoir suivi. Merci Benjamin. Merci Fred merci et merci tous. Anonymal. Avec fin de live-on et vive la country.